Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. faites pas assez beau. Bon, là, j'ai décidé de recadrer quand j'avais tout recadré mes affaires. C'est pas grave. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est ouais, ça. J'espère que tout le monde est en forme. Avec le beau soleil qu'on a et la chaleur, je, je, je pense que tout le monde doit être bien. Si vous êtes. Moi, en ce moment, je suis très excitée. Parce qu'on a parti la piscine. J'ai parti la piscine euh, début mai, là, ça prend un, un certain temps. C'est la première fois que partais parce qu'elle est neuve de l'année passée. Et, euh, oh mon Dieu, c'est vrai, on est vendredi 13, les Andrés. J'avais complètement. On est vendredi 13. Moi, pour l'instant, tout se passe bien. Euh, J'ai parti la piscine, c'est la première fois. Oui, quelques embûches, quelques euh, euh, inquiétudes au début. Je comme, je ne vais jamais être capable de partir ça. Tout va bien, on peut se baigner. On est ba... les premières baignades de l'année. Aujourd'hui, ma fille est en congé. Euh, avec son cousin. Fait que mes parents les gardent cet après-midi. Je vais pouvoir travailler sur le balcon. Ils vont venir se baigner à la maison. C'est l'été. C'est l'été. C'est pas l'été encore. Non, ma, ma, ma fille dirait Maman, maman on n'est pas encore l'été. On est le printemps. Oui, je sais, je sais. Mais oh mon Dieu, c'est des températures d'été en ce moment. On est content. De mon côté, pas de son. Ah. Mais là, après ça, c'était de mon côté. Monter le son, monter le son. Est-ce que tout le monde m'entend bien, me voit bien? Est-ce que tout se passe bien? Je pense que oui. Ça a de l'air de bien aller, en tout cas. On va espérer que ça continue comme ça. Parfait, excellent, excellent. Ouh. Cacher le micro, voir ça. Bon matin, Cynthia. Ma mère a commencé son nouveau livre, Cynthia. J'ai acheté un livre pour ma mère pour la fête des mères. Euh, et Cynthia nous avait conseillé il y a un an environ. Je pense que oui. Euh, la série euh, des sept soeurs. Je l'ai lue. Je l'ai adoré. Ma mère l'a lu. Elle l'a adoré. Mon père, mes tantes, ma belle-sœur est en train de les lire. On est tombé en amour avec la série. Puis euh, là, je disais, Cynthia, on a besoin d'un autre coup fort. On a besoin d'un autre conseil. On a besoin d'une autre suggestion. Fait que là, elle a commencé... Euh... Je ne m'en souviens même plus comment le livre s'appelle, mais un livre de Anne Jacobs. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Elle l'a commencé, mais pas en du loin. C'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Tout est beau. Parfait. Perfecto, Mister Roboto, comme on dirait. Euh, là, comme vous avez pu remarquer, mais là, je, je, tout est beau parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a... Euh, oh, J'aurais dû le mettre aujourd'hui, qui a dit que, qui, qui avait vu vidéo, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la semaine passée, euh, la vidéo n'est pas sortie dimanche. Je ne sais pas ce qui si s'est passé. YouTube a buggé. Il a décidé de tout supprimer, je dis mes vidéos, pas toutes mes vidéos, mais les trois dernières vidéos que j'avais téléchargées. Pour X raisons, ont décidé de ne pas se télécharger. Euh, fait que c'est euh, ma belle Fabienne, Fabienne qui nous sauve à combien de reprises? Euh, quelques mots de, je pense qu'il y a un problème avec tes vidéos. Fait que finalement, tout a été réuploadé. Tout devrait être beau pour les prochains jours. Puis j'aimerais ça vous donner les prochains, mais mon agenda est en haut parce que j'ai travaillé sur la terrasse cette semaine le plus que je pouvais. Parfait. Tout est beau. Tout est beau. Louise, André, votre colis est parti hier. Parfait, parfait. On va pouvoir commencer sans plus tarder. On a un live de patron ce matin. Bonjour Nicole! Euh, J'ai-tu tout? Oui. Je pense que j'ai tout préparé mes choses également. On devrait être pas pire. Allons-y. Première question de Diane. Je fais le patron Éléonore de Jali qui est un pantalon. Tout est, par... Tout est parfait, sauf que le milieu de la fourche est environ un pouce trop en avant. Pour mon, projet... mon prochain projet, comment y remédier? Euh, un gros merci à Fabienne qui a laissé la vidéo sur les six modifications de patron. Euh, mais là, étant donné que la fourche n'est ni trop longue, ni trop courte, c'est juste qu'elle n'est pas bien placée. Ce que j'aurais peut-être tendance à faire, Pourquoi j'ai tout amené en haut, André? Oh, C'est pas grave. Casse l'ancienne. Bon matin, Alex. Euh, tu vas avoir ta fourche devant, qui est toujours plus longue que ta fourche d'eau. Sensiblement pareil, mais qu'est-ce que cela tienne? Euh, Fourge devant, Je vais le marquer. Lequel est devant et lequel est le dos. Euh, moi, personnellement, ce que je ferais, c'est au même titre que si on avait, euh, je vais faire le bas. Un, euh, un épaule, la ligne d'épaule qui, qui serait pas à la bonne place. Par exemple, que, ça va être plus facile de vous montrer là que dans ma fourche, on s'entend. Euh, ma ligne d'épaule devrait être droite. Comme ça à peu près. Et si ah, j'avais euh, une ligne d'épaule qui était décalée, ben, il faudrait que j'en ajoute dans le dos et que j'en enlève au devant. C'est le même principe qu'on va faire ici. Bonjour Marie, je bien heureuse d'être en direct avec vous ce matin. On est bien contente de vous avoir avec nous également. Catherine, bon matin. Euh, fait, là, je veux juste être sûre, un pouce de trop en avant. Fait, ce que je viendrai faire, le plus fluidement possible. Ça, c'était pas fluide, n'est-ce pas? Bon matin, Fabienne! Euh, je viendrais en enlever au devant, parce que euh, je vais me relire. Et, euh, un pouce trop en avant, c'est ça. Fait que je viendrais enlever un pouce en avant. Fait que moi, ça ici, là, j'enlèverais ça, mais je viendrais la rajouter au dos. Là, le dos, je l'ai rajouté trop, euh, pas assez fluidement, justement. Je pas vraiment de règles pour m'aider à faire quelque chose de précis. Et je viendrais me perdre un petit peu plus euh, en. en je viendrais essayer d'arrêter plus en haut que dans le ourlet, complètement en bas. Fait que je viendrais rajouter un pouce et rejoindre le plus fluide, le fluidement. Puis ici, je viendrais à, à enlever un pouce également. Euh, pour rééquilibrer tout ça. Pour, dans le fond, vu que ta fourche en avant, elle est trop longue, euh, tu vas venir la. Elle tape peu, elle tape peu. Non, c'est ça. Euh, le milieu de la fourche est environ un pouce trop en avant. Donc, c'est le contraire qu'il faut que tu fasses. Tu m'excuses? Dans ma tête, il y en avait trop en avant, mais elle est trop en avant. Fait On veut la remettre plus en arrière. Je recommence. C'est le contraire, dans le fond, là? Mais étant donné que ton devant, que ta fourche est trop en avant, on va vouloir la reculer. Donc, on va vouloir se donner environ un pouce parce que c'est la valeur que tu m'as donnée. On va vouloir en ajouter en avant et en enlever en arrière. Fait que je suis venue en ajouter en avant et rejoindre le plus fluidement possible. Idéalement, là. Le... Vous comprendrez que je ne suis pas à l'échelle. Idéalement, vers la ligne du genou, ta modification devrait s'arrêter. Quand j'arrête, moi je l'ai fait arrêter ici, mais théoriquement, ça devrait être vers la ligne du genou. Tu veux que ce soit fluide, tu ne veux pas avoir de pointe, tu ne veux pas non plus ajouter trop d'ampleur. Euh, avec un petit pouce comme ça, ça ne devrait pas. Et au dos, eh je suis venue l'enlever pour venir reculer ta fourche. Réponse finale. Bonjour Fabienne, bonjour Céline. Bon matin, bon matin. Claire, lorsqu'on fait notre gabarit du corsage du cours, comment on utilise avec des patrons? Je relis. Euh, le gabarit de corsage du corsage, comment on l'utilise avec des patrons? Exemple sur un patron, j'allie. Mais euh, moi, personnellement, mes patrons. Euh, gabarit de corsage. De corsage de jupe, de manche, peu importe. Je les utilise pour créer, moi, mes patrons. Théoriquement, t en, t en, tu n'as pas à les utiliser quand tu as un patron concret, comme par exemple un patron jali, peu importe la compagnie. Tu pourrais venir l'utiliser à certains endroits, mais, tu sais... Ouais. Par exemple, que tu voudrais avoir la même largeur d'épaule ou tu voudrais avoir le même genre mancheux, mais ça, c'est à faire attention parce qu'on euh, ne se cachera pas que... Dans les patrons jolis ou autres, on a des styles, on a des choix de tissus. Ça peut être différent, fait il faut faire attention quand on vient incorporer deux patrons ensemble. Mais théoriquement, le gabarit de, cor de corsage n'est fait que pour créer des nouveaux patrons et tes patrons Jali vont être ton patron joli. Puis si jamais tu veux, par exemple, t'assurer que tu as la bonne longueur ou... Euh, C'est parce que là où est-ce que je peux comprendre -ce que tu voudrais, pourquoi tu voudrais faire ça, notre gabarit de base nous fait à la perfection, nous fait le mieux qu'on peut. On a fait les ajustements qu'on a besoin de faire pour que ce soit un vêtement qui nous fait bien. Et à partir de cette base-là, on se crée plein de vêtements qui vont toujours bien nous faire euh, si on a bien ajusté le style, étant donné que notre base, elle, nous fait bien. Euh, on a tous des morphologies différentes, on a toutes des caractéristiques de morphologie également différentes. On peut avoir... Euh, besoin de faire un, 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 un ajustement de poitrine forte. On peut avoir besoin de faire des modifications pour quelqu'un qui a un dos plus voûté. On peut avoir des modifications à faire parce qu'on sait qu'on a un euh, tronc plus long, un bras plus long, peu importe. Fait oui, bien que ça, ça va avoir été appliqué sur notre gabarit de corsage, euh, par exemple notre épaule aussi, euh, la largeur, bien que ça ait été euh, ajusté donc sur notre gabarit de corsage. C'est souvent des choses qu'on va avoir à refaire sur les patrons commerciaux qu'on va acheter. Ça va être très difficile d'utiliser notre base de gabarit de corsage et de transposer ces modifications-là qui ont déjà été faites sur ces patrons-là, sur ce gabarit-là, et de les transposer sur les patrons commerciaux, dû au fait que, comme je disais tantôt, un style a été appliqué aux patrons commerciaux, contrairement à notre gabarit de base qui, lui, n'a aucun style. L'aisance, même chose, aucune aisance sur un gabarit de corsage, sur un gabarit de base, euh, sur les patrons commerciaux, il devrait avoir de l'aisance, il devrait avoir euh, un choix de tissu euh, 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 pensé et réfléchi selon le modèle de vêtement, que ce soit extensible ou non, combien d'extensibilité, dans quel sens, est-ce que c'est un bistretch ou c'est un sens d'extensibilité seulement, est-ce que c'est un tissu qui est lourd, léger, moyen, très lourd il y a tellement de choses qui rentrent en cours de, en, en cours de euh, réflexion puis de, dans le processus de création de patrons que ça va être difficile de, le, euh, de combiner un patron commercial avec un patron de gabarit de base. Ceci étant dit, oui, ça peut se faire, mais ça prend beaucoup de réflexion puis s'assurer qu'on peut le faire. n'est pas à toutes les sauces que ça se fait. Y a-t-il une différence entre une fourche pour le patron homme et les fourches, celui des patrons de femme? Oui, euh, c'est plate. Il y a certaines choses que les patrons, euh, euh, à cause de la physionomie dite masculine et la physionomie dite féminine, euh, oui, les patrons sont faits en conséquence. Par exemple, la fourche, euh, les femmes ont les hanches que les hommes n'ont pas, ce qui fait en sorte que, oui, à ce niveau-là, c'est ça, il y a une différence. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas porter Non. Euh, je veux dire, il y a des pantalons que mon chum, je pourrais mettre sans problème. Lui, non, parce que <laughs> peut-être un petit peu trop ajusté dans la mode que je porte, mais certains peut-être. Mais euh, ceci étant dit, tout dépendant de notre physionomie, euh, je pense à ma mère qui n'a pas de hanche du tout, euh, elle pourrait porter des patrons hommes, pourraient, je dire, quasiment mieux lui faire à cause de la physionomie. Mais non, ce n'est pas euh, designé de la même façon, surtout quand vient le temps de parler de patrons commerciaux, parce que les patrons commerciaux sont basés sur... La morphologie classique de la société. On s'entend pour dire que personne rentre là-dedans, mais oui, c'est basé sur ça. Si on pense seulement, euh, je me souviens à l'école, euh, il y avait une de nos enseignantes qui nous avait euh, parlé justement, elle faisait beaucoup, beaucoup de retouches, puis euh, on parlait de chemise et la chemise femme et la chemise homme, c'est complètement différent en termes de patronage, le veston complètement différent en termes de patronage parce que les hommes ont bien souvent des épaules plus carrées, plus larges. Tout dépendant. On s'entend. Il y a des hommes qui ont des épaules moins larges et des femmes qui ont des épaules plus larges. Euh, mais selon la physionomie de la société, encore une fois, comme de, en ce moment, là, la, les patrons sont souvent faits sur des, la, 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 forme, la silhouette féminine en I. Pas, je ne suis pas un I, donc je ne fais pas partie de cette euh, 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 je veux dire mode commerciale. On s'entend. Euh, mais oui, bref, il y a une différence. Je suis partie dans une grande conversation. Ça me fait plaisir, Claire. Euh, je cherche à faire une fourche pour un pantalon de skate. Donc, très ample. Oui, euh, c'est sûr que là, bon, ça va être dur de trouver un patron de ça. Fait que théoriquement, tu n'auras pas choix de partir d'un patron de base. Euh, oui, je te conseille de partir d'un patron pour homme, qui est quand même difficile à trouver. On ne se cachera pas qu'il y a beaucoup plus de patrons pour femmes euh, parce que la couture approche plus souvent la femme que l'homme. Euh, ce qui change énormément, on s'entend. Mais je partirais, oui, d'un patron pour homme, puis je viendrai appliquer les modifications pour le transformer avec une fourche plus basse et un pantalon plus ample. Tu es peut-être capable de trouver, par exemple, un patron directement plus ample. Euh... Je vais aller voir. Il me semble que Jalie à des patrons pour hommes. Pantalon. Euh, ça, c'est un pantalon pour enfant. C'est ça, un pantalon pour enfant? Ouais. Ok, ils n'ont peut-être pas finalement euh, grand choix. Ce serait peut-être plus dans les, dans, dans les patrons papier que tu aurais plus de chance de trouver un pantalon pour homme. Euh... Euh, quel utilisez utiliser ou conseillez-vous pour faire une jupe style pin-up? Euh... Je vais aller voir. Euh, Pin-up, automatiquement, c'est un, un, tissu, un tissu tissé. Euh, c'est les robes vintage et les robes étaient pour la plupart du temps toujours faites en tissé. Ça te prend quelque chose qui a une certaine tombée, un, 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 un certain poids. Tu ne veux pas avoir quelque chose de trop léger parce qu'habituellement, la jupe Pin-up... Euh, en vrai, j'ai trouvé juste un... Habituellement, c'est le style de vêtement qui a beaucoup d'ampleur dans le bas. On veut que ça tourne, on veut que ça aille. Oh, un peu, ça dépend. Moi, c'est parce que j'ai une image très précise dans ma tête. Euh, Est-ce qu'on parle plus. On va partager l'écran. Est-ce qu'on parle plus d'une jupe comme ça ou. Moi, j'imaginais plus ça, là. Ou toi tu parles plus d'une jupe peplum comme ça, parce que euh, ben je dis ça. Un ou l'autre va être sensiblement euh, pareil. Des fois quand il y a un petit peu plus d'extensibilité dans ça, genre de la Bengaline, ça pourrait être cool pour ça, parce que tu peux avoir un style qui a de l'air très tissé, mais euh, avec de l'extensibilité, de l'extensibilité qu'on voudrait avoir euh, pour être confortable. Ceci étant dit, bien souvent ce genre de jupe là n'ont pas d'extensibilité. Euh, c'est des, des, des styles qui, très rétro qui datent des années 50, un peu 60, mais il me semble plus 50, si je ne me trompe pas. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'extensibilité à l'époque. Fait que la plupart du temps, c'était des tissus tissés. Euh, donc, tu veux avoir un poids moyen, tu veux que ça se tienne quand même bien. On s'entend pour dire qu'en ce moment, on a une belle crinoline en dessous pour donner cette ampleur-là. Euh, mais sinon, je t'ai juste allé vite vite dans les tissés. Oups. Euh, pour aller. Oh. Pour aller voir. l'impauvrement. vraiment. Tenser, non. Voyons. Arrête de cliquer, Audrey. Pas pleine non plus. Faut que j'aille voir. Il n'y a pas de nom qui me viennent en tête. Et hey, Audrey. Euh. Je vais continuer à regarder peut-être au plus petit, plus petit pour avoir des choix intéressants. Euh, oui, en effet, si euh, tu as la. Parce que c'est vraiment pas facile de copier un pantalon à cause de la fourche, puis parce que ton, ta jambe d'eau est beaucoup plus large que ta jambe devant. Fait que c'est un petit peu plus compliqué à copier. Qu'un simple chandail, euh, mais ça se fait vraiment très bien. Fait que, oui, si tu as déjà un patron de skate qui aime, ça peut être intéressant de l'essayer. Si tu fais ça, la seule chose que je te conseille, c'est vraiment d'y aller avec une toile, euh, donc de faire, de copier le, patron, le pantalon que tu aimerais et dans un tissu pas trop cher que tu as trouvé pour faire le test, faire ton brouillon en fait. De euh, faire cette couture-là. Parce que tu as, as une bande de taille à sortir, tu vas avoir le patron de la braguette à sortir, ce n'est pas des patrons faciles, faciles, euh, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer si jamais tu es autodidacte puis c'est quelque chose que tu aimes faire. La première, celle qui tourne. OK. Tu n'auras pas grand restriction. Euh... Oh, mon. Le. J'ai envie de dire le scuba, mais le scuba, c'est vraiment pas vintage. On va se le dire tout de suite. Il est à 50% de rabais en ce moment chez euh, Club Tu, ce qui est quand même très intéressant. Je viens de penser à quelque chose. Euh, il faut vraiment que je parle. Du twill, oui, du twill, ça pourrait être, euh, ça pourrait être super intéressant. Le scuba, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que ça a une tenue. Euh, ça, ça se tient vraiment bien, quand même, un beau poids. Puis ça peut faire un super de beau drapé. Le scuba pourrait être intéressant, mais oui, le twill aussi, ça pourrait être très bien. Le twill qui est un sergé, en fait. Puis tu peux avoir des super de beaux prints aussi sur euh, des très beaux imprimés sur le twill. On essaie de ne pas avoir quelque chose de trop épais par contre. Mais tu sais, euh, qu'est-ce qui est le fun avec. Euh, là, en ce moment, c'est ça qui est le fun parce qu'on peut voir, là. Mais tu sais, tu vois un peu le mouvement du tissu, ça peut être quand même intéressant. Je, je pointe mon écran. On le voit-tu? Oui. Celui-là ici, là, je ne veux pas mettre ma, ma souris dessus parce que quand je mets, on ne voit plus le mouvement. Il y a quand même un beau mouvement dedans. Euh, fait que le twill, ça pourrait être super intéressant. Dès que tu vas aller, je ne sais pas si tu es plus achat en ligne ou achat en magasin. Euh, mais ce que tu veux, Mayon? Non, j'ai ajouté au panier, je suis en train de t'acheter ton dessus. <laughs> je vais juste venir ici. Euh, description, spécification. Euh, 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 euh. Tu veux avoir le poids. Le poids il est quand même 130. Ce pas trop. C'est même quand même très léger. Tomber fluide. Ça, peut être... ça va être super beau. Ceci étant dit, si tu veux avoir le genre de jupe comme je t'ai montré tantôt, il y a une crinoline en dessous. Tu n'auras pas ça. Euh, avec euh, une jupe simplement juste en tissu. Tu vas avoir besoin d'une crinoline en dessous, mais lui, il va être ouais, moyen. Sonica, 250. Fait que, tu sais, peut-être que dans le poids, j'irai entre léger et moyen. Il va pas nécessairement dans le lourd parce que pour faire la bande de tête, tu vas pas nécessairement aimer ça, ni avec le fermoir. Mais euh, ben oui, c'est vrai que le twill, ça peut être quelque chose de très intéressant. Moi, je m'étais faite une robe du genre, une jupe du genre, pardon, euh, dans du lin que j'ai vraiment aimé. Euh, le lin, ça se passe beaucoup malheureusement, mais quand même, ça j'ai vraiment aimé le résultat, c'est une super de belle jupe. Mais ouais, j'ai vers du tissu léger à moyen, donc entre, j'allais juste ici en plus, entre euh, 130 gsm et, dans le fond, entre 4 et 8 onces ou entre 135 et 270. C'est le poids que tu vas vouloir avoir de ton tissu à peu près. Je veux faire un jupon à mettre en dessous. Fait honnêtement, étant donné que tu as un jupon en dessous, tu même si tu vas dans le léger, c'est tellement ta crinoline qui va venir te donner ton effet que tu n'aurais pas de problème avec. C'était en France, il euh, y a un magasin en ligne que je connais en France c'est euh, la petite mercerie, c'est ça? Ah bon, excusez, vous m'entendez encore? Faut que je j'éteigne ma caméra et que je la reparte. Excusez. La na, na, na. Yeah! Excusez-moi. Ça me c'est la petite mercerie. Ma petite mercerie. Oh. Mm. Tu de popeline, ouais. La popeline, je trouve que ça n'a pas... Euh... Comment je peux dire, ça n'a pas d'élégance. De, 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 je trouve que c'est un tissu vraiment de base. C'est comme une petite cotonnade. Euh... La parole est décalée. Moi, je le vois bien. Si jamais vous me dites que euh, c'est un... Mon micro est allumé. Je dois partir, c'est la sortie de l'école. Oui, pas le choix d'aller chercher les cocos. Euh, J'ai un patron de Jali, pantalon ample, mais double. Euh, c'est le 958 ABC. Je ne suis pas capable de mettre la photo. Je vais aller voir. Non, on ne peut pas mettre les photos en commentaire. Jali... Ah! Oh. Ok, c'est un pantalon de skate. Je ne suis pas capable de le trouver sur le site. Je l'ai trouvé juste sur Etsy, mais pas sur le site. Très bizarre. C'était un trop vieux patron. Euh, et question, fil, fit probablement. Je dois ajuster les pantalons du commerce de mon conjoint qui sont 98% nylon et 2%, 2 spandex. Je prends du fil, ah oh, non, fil, excuse-moi, du fil de polyester ou du fil de nylon, fil de polyester. Oui, le fil, est, le, le, le pantalon est en nylon, mais du fil de nylon, c'est plus épais. C'est du fil évidouti qu'on appelle, euh, et le fil de polyester va amplement faire la, 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 la tâche. Pas de décalage ici, parfait. Merci, ça me fait plaisir. Très bien pour moi, pas de décalage. Excellent. On continue comme ça. Prochaine question, j'en ai juste fait un. Ça va bien, ça va bien. Euh, J'aimerais avoir des conseils pour l'achat la, d'un mannequin ajustable. Je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour euh, donner des conseils parce que moi, mon, mon mannequin ajustable, ça va partir, ça. Euh, faut Il faut toujours le réactiver, par Non. Mon mannequin ajustable, il est là, il est tapé et il ne sert absolument à rien à part focuser ma caméra quand je fais des vidéos. Euh... Moi, c'est parce que je, je, je... Comment je pourrais dire? Le, le mannequin est ajustable, oui, mais les courbes, elles, ne changent pas. Qu à quel point ça peut être utile? Moi, personnellement, je n'en ai jamais vraiment fait usage. Ça peut être le fun pour suspendre des choses et faire certains trucs. Oui, c'est vrai, parce que je veux dire, on a des mannequins aussi qu'on qu a, qui ne sont aucunement des mannequins de couture, mais juste de mettre le vêtement dessus pour épingler quelque chose, pour positionner des affaires, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ceci étant dit, euh, j'ai l'impression, je suis peut-être vraiment pas, euh, je suis peut-être vraiment dans le champ, mais j'ai l'impression que tu l'achètes dans un magasin de tissu ou que tu l'achètes, genre Amazon. Je te suggère de l'acheter dans un magasin dessus parce que comme ça, tu vas encourager des commerces locaux. Mais euh, pour moi, un, ma un mannequin ajustable va toujours être un peu. Euh, J'ai juste un terme dans, dans, dans la tête qui n'est pas le terme le plus chic. Qui est un peu carling. Je trouve que c'est un peu boboche. Je trouve qu'il euh, finit toujours par casser. C'est un peu fait cheap. C'est un peu. Moi, personnellement, je n'aime pas les mannequins ajustables. Peut-être qu'il y en a de meilleure qualité que je n'ai jamais essayé. Euh, moi, mon rêve est encore euh, de me trouver à un moment donné un mannequin de couture qui est fait. Bon, habituellement, je suis une taille 8 ou 10, fait que de me prendre ça puis d'ajouter des courbes là où je veux en faire parce qu'on peut euh, ajuster le mannequin en conséquence des courbes de chacun et chacune. Euh, les mannequins ajustables, ça peut être très intéressant, mais pour moi, je trouve que c'est. J'en vois pas moi l'utilité. Mais. Je pense que ça vaut la peine, du moins, d'être magasiné à savoir s'il y en a de meilleure qualité. Parce que moi, celui que j'avais acheté, c'est un, un de base que j'avais acheté au Club de Suivre a vraiment longtemps. Puis je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Euh, 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 je vais continuer avec les questions qu'on a ici. Puis après ça, je vais venir faire. Euh... Oui, j'ai beaucoup aimé les dernières vidéos sur le Jackson T-shirt. Mais j'aimerais voir la longueur du chandail. Oui, J'avoue que moi, je les mets tout le temps. Euh, voyons, je vais les mettre tout le temps dans mon pantalon. Euh, le cours, il, va falloir, il faudrait que je les prenne en photo et que, que je les mette sur la communauté. Euh, le cours, il m'arrive peut-être un pouce sous la taille. Il est quand même court. T'sais, je le rentre dans le pantalon, mais de, de, de peur. T'sais, si je lève trop mes bras, mon pantalon, mon, mon chandail il sort. Quand je suis dans l'auto et je me relève, il faut que je rentre mon, mon chandail parce que mon pantalon il sort. Euh, mon, mon chandail sort de mon pantalon. Il est relativement court. Euh, fait que tout dépendant de qu ce que vous préférez, je pense que le B pourrait être plus intéressant. Je vais essayer de prendre des photos et de vous le montrer, par exemple. Peux-tu nous montrer à faire un pantalon enveloppe? C'est-tu un wrap-pants, comme une jupe portefeuille, mais un pantalon portefeuille? Un genre... On le voit ici, là. Un pantalon qu'on vient juste comme se mettre comme en, en jupe. Moi, pour vrai, j'aimerais vraiment ça. Euh, mais je me... Je ne l'ai pas fait en cours. Je voulais le faire en cours. Je vais marquer ça quelque part. Parce que moi, ça, euh, j'adore ça. Et je me demandais si ça allait être euh, intéressant, si vous alliez aimer. Pas tant ça, hein? Pas tant ça non plus. Mais euh, oui, mon Dieu, ça serait vraiment le fun. Je ne pensais pas que vous auriez aimé. Non, pas cela. Ok, euh. ok. Toi, es, -ce que, comment tu me, me l'as marqué? Pantalon enveloppe. Je vois pas le modèle. C'était capable de me l'envoyer? Parce que regarde, ils disent encore, mettons, pantalon enveloppe, c'est le même genre. Mais c'est peut-être un autre terme. Mais ben, c'est celui-là, que tu passes de devant à l'arrière, c'est ça. C'est ça, le, le, le pantalon portefeuille, le pantalon enveloppe, on, on le passe comme en dessous, on l'attache en arrière, puis l'autre, on l'attache en avant. Peut-être que je ne comprends pas, ça. Ça se peut, ça. Très bien. Euh, je vais faire la prochaine question. Si jamais tu veux avoir d'autres spécifications, Louise, on va, on va regarder ça. Euh, oui, marie j'ai un plan avec les grammes de tissu. Exemple, la différence entre un CL220 et CL210. Moi, euh, je ne suis pas familière avec. Le CL. Je peux-tu l'élargir? Ben oui, toi. Je ne suis pas familière avec le CL. Moi, pour moi, CL, c'est coton licra. Mais quand tu me parles de 200, 220, 270, ça tourne autour de ça. Ça serait un tissu moyen. Moi, honnêtement, ça, ça c'est un, 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 un lien à avoir dans ces affaires. Je vous le mets ici dans les commentaires. Euh, vous allez avoir toutes les informations sur le poids du tissu. Le CL, je ne suis vraiment pas sûre de est, qu est ce que c'est. Je connais le GSM, le, les annonces, euh, puis le GM à la 2, mais honnêtement, le CL, euh, je ne suis pas sûre de savoir c'est quoi. Du moins, je ne suis pas familière avec ce terme-là. Il y a une différence entre le pantalon portefeuille et le pantalon enveloppe. Je vais regarder, euh, je vais faire des recherches sur les Andrés, puis honnêtement, oui, c'est vrai que ça serait le fun à faire. Pour un tissu aspect cuir, euh, quel euh, aiguille me conseillerait-tu? Euh, si c'est aspect cuir, est-ce qu'il y a de l'extensibilité dedans? S'il y a de l'extensibilité dedans, j'aurais tendance à dire stretch. Ouais, j'aurais tendance à dire stretch parce que c'est euh, extensible, c'est euh, tu vas le voir sur YouTube, je vais aller voir. Euh, c'est extensible, c'est synthétique. J'irai vers le stretch, ouais. ou le microtex. Microtext, c'est peut-être pas une aiguille qu'on a tout de go dans notre arsenal d'aiguilles. Fait que tu pourrais essayer, commencer par essayer avec la stretch. Si jamais, voir si ça fonctionne vraiment pas, tu pourrais t'essayer avec le microtex. À faire attention quand tu couds quelque chose qui est en simile cuir ou en apparence cuir ou le cuir. Euh, dès qu'un trou est fait, t'es fait. Le trou est fait, le trou ne se referme pas. Fait que si tu couds et tu veux te découdre, tu vas avoir des trous. Fait que fais attention. Ça ne pardonne pas beaucoup. Suggestion de couture accompagnée d'été pour YouTube. Patron gratuit en plus. Seamwork. Ils ont vraiment des, quand même des patrons intéressants. Seamwork aussi. C'est vrai que c'est mignon. Je pourrais le mettre. Hein? C'est vrai que ça pourrait être chouette. Chouette. Euh, ça, j'aime ça. En plus. Euh... Cette transparence-là avec une petite camisole en dessous. Moi, je veux faire une petite camisole comme ça. Ça va probablement être un cours, uh, by the way. Euh, une camisole uh, à bretelles comme ça. Ça vous intéresserait-tu? Ça pourrait peut-être être cool. Puis j'essaierais peut-être de le faire avec euh, une brassière intégrée. Brassière, on s'entend, Moi, ça, ça me fait rire. Quand ils brassière intégrée, c'est pas une brassière, c'est un top. Avec top intégré, une petite euh, bralette. Ça pourrait être vraiment chouette. Puis, euh, oui, Hélène, tu disais, moi, ça m'intéressait, mais avec un FBA et sans manche. On pourrait le faire, le sans manche. Ça pourrait être vraiment cool. En effet. Euh, oui, Claire. Euh, extensible sur... Oui, intéresser la camisole. Je pense qu'il va falloir que je fasse certains sondages sur la euh, page oh, de... Voyons, de... ben, sur le groupe de l'abonnement. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant de la faire, cette petite camisole-là. Mais là, au début, j'avais dit que je la faire aussi avec, une, avec le, un patron avec manche. Avec les nouveaux gabarits qu'on est en train de faire. Audrey, concentre-toi. Concentre-toi. Oui, clair. Beaucoup de machines à coudre, surtout les électroniques, ont des, des motifs de broderie et des lettres d'alphabet. Le réglage de la longueur de point sur ma chaîne en scanline 5 est 2.5 pour le lettrage et 0.4 pour le motif. Parfois, ça, euh, est, euh, le tissu Je me demande si le walking foot serait plus approprié. Peut-être. Euh, moi, avant d'essayer avec le walking foot j'essaierai avec parce que on, on s'entend que que ce soit le lettrage ou la broderie euh, les motifs c'est de la broderie et bien souvent quand on va venir faire de la broderie sur je ne suis pas experte de broderie je tiens à le dire avant tout euh, on va souvent venir se mettre un stabilisateur sur notre euh, tissu, que ce soit un, un stabilisateur soluble ou un stabilisateur qui se déchire ou les deux. Euh, je sais que, par exemple, pour les boutonnières, moi, pour avoir des boutonnières que le tissu ne plisse pas et que tout est parfait, je vais souvent venir me mettre euh, mon stabilisateur qui se déchire en dessous et mon stabilisateur soluble, donc par l'eau, sur le dessus. Comme ça, ton tissu ne bouge pas. C'est merveilleux. Fait que avant même d'essayer Walking Foot, parce que tu vas peut-être avoir le même problème, j'essaierai avec ça. Si tu me dis, Ouais, mais là, moi, j'ai aucun de ces deux produits-là, ça ne me tente pas d'investir là-dedans, papier de soie. Essaye-toi avec le papier de soie, ça va peut-être t'aider. Est-ce que ton tissu reste bien en place? Parce que l'affaire là-dedans, c'est que, euh, surtout quand les motifs, mais même les lettres, le tissu va bouger un peu en avant, un peu sur le côté, un peu en avant, un peu. Il bouge tellement beaucoup que. Euh, le tissu, à un moment donné, c'est sûr qu'il va bouger avec, il ne pourra pas rester sable. Fait qu'au-delà, oui, mettre un stabilisateur, c'est ça. Ça peut être aussi, oui, un, un, il y a des produits qui se vendent. Euh, Au-delà de vouloir mettre le walking foot qui, oui, va venir te faire avancer tes deux épaisseurs. Des fois, tu n'as même pas deux épaisseurs. Fait que le walking foot, à quel point ça va t'aider, je ne suis pas certaine. Moi, j'irais plus vers quelque chose qui va stabiliser ton tissu. Comme Carole dit, soit mettre un stabilisateur, euh, qui est un produit que tu peux acheter, soit mettre un, euh, un stabilisateur en tissu, papier, soluble ou déchirable ou si tu veux commencer par faire un premier test avec le papier de soie. Le papier de soie, ça ne sera pas l'idéal. Euh, le soluble, c'est vraiment le fun parce que quand tu vas venir utiliser ton, euh, par exemple, un motif, des fois, ça fait beaucoup d'aller-retour, des fois, ça fait beaucoup de surplace, euh, de, 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 sur de, de, de va-et-vient, euh, ce qui fait en sorte qu'après, ça va peut -être, être difficile de tout bien enlever ton papier de soie, ton euh, stabilisateur soluble. Dès que tu le mets dans l'eau, il disparaît. Ça, c'est le fun. Moi, honnêtement, non, je n'utilise pas le stabilisateur à toutes les sauces. Je ne l'utilise définitivement pas à tous mes produits. Mais c'est quelque chose que j'avais acheté sur Amazon. Je vais essayer de vous le retrouver. Je l'avais acheté sur Amazon. Euh... Excusez, je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. C'est ça que j'avais acheté sur Amazon. C'est 20 tu vas Moi, je l'ai acheté. J'étais encore dans mon autre maison. Fait que je devrais, j'ai l'acheté, là, genre quatre ans. Je l'ai encore. Non, je ne l'utilise pas tout le temps, mais quand tu en as de besoin, par exemple, c'est là, puis c'est vraiment le fun. Moi, je l'avais beaucoup aimé. J'en ai encore, puis je vais pouvoir l'utiliser encore longtemps. Fait que oui, des fois, tu te dis, ah, c'est encore une glugus qu'il faut que j'ajette. Mais il y a des, euh, des choses qui peuvent venir aider. Pour les boutonnières, je trouve ça le fun. Dès que tu as euh, un, 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 quelque chose à venir apposer, ça peut être intéressant euh, quand tu vas venir faire tes motifs. Es... C'est sûr que si tu ne fais jamais broderie puis que tu n'es vraiment pas quelqu'un qui fait de boutonnière, ben, c'est tel, tel, tel là. Mais ça peut être vraiment intéressant, je pense, à avoir. Euh, bon matin, marie j'étais occupée avec la piscine. Je te comprends. Moi, je suis faire un test d'eau hier au Trévis il y avait du monde. Du monde. À deux et de je suis allée à 2h30 de l'après-midi. Je suis comme le monde ne travaille pas. Là, je me dis dans ma tête, toi aussi. Mais j'étais. Ouais, ouais. Il y avait du monde. Mais bref, euh, je pense que je suis rendue obsédée par mes tests d'eau. Là. Là, je suis tout le temps en train de faire. Bref, je vous ai pas mes détails. On ne commencera pas à parler de ça, mais je suis contente euh, de savoir que ta piscine va peut-être être prête pour la baignade dans la fin de semaine. Marie, euh, Marie, non, pas du tout. Mélanie, euh, c'est moi que c'est pour bon essai. Alors pour moi, ça sera plutôt un SBA que j'aurais besoin. Honnêtement, si je fais un, je fais l'autre. Mais. J'ai la vidéo pour ça, par exemple. Donc, ça s'applique directement pour euh, ce genre de projet-là. Puis en plus, si je ne me trompe pas, la vidéo que j'ai faite sur le SBA et le FBA, les deux sont dedans, c'est avec une pince euh, pareil comme le patron de Simwok. Laissez-moi les voir. Je tellement de vidéos que des fois je me souviens plus. Pas de modification de pantalon pas ça, oui. On va voir ça. Ah ça fait longtemps je me suis pas peignée comme ça. Il euh, y avait -tu... non c'est vrai c'est dans la, la dans la pince du bas. Oh mais ça pourrait être intéressant dans, dans ce cas-là de faire euh, le principe est sensiblement, sensiblement le même. Mais oh Luna était là. Euh, le principe est sensiblement le même, mais ça pourrait être intéressant de le remontrer avec la poitrine, avec la pince poitrine. Euh, mon aspect cuir de poids moyen pour l'aiguille, est-ce que je prends une 14? Euh, non, pas nécessairement. Tu pourrais prendre euh, une 12. Mais si tu as les deux, peut-être que tu vas pouvoir assembler avec la 12, mais si tu as des surpiqûres à faire dans plusieurs épaisseurs, peut-être que la 14 va être à considérer. Peut-être. Voilà. Question boutonnière dans le double gaz. Stabilisateur sera considéré? Oui. Moi, toute boutonnière qui n'est pas dans de la cotonnade, une boutonnière dans du chiffon, une boutonnière dans euh, la crêpe, une boutonnière dans le double gaz, dès qu'on est dans des tissus un petit peu plus légers, euh, même dans, le, dans la charmeuse, je mettrai du stabilisateur. Ça aide tellement à faire des belles boutonnières, vous n'avez même pas idée. J'avais une vidéo sur ça à l'époque sur Facebook, quand je faisais mes vidéos sur Facebook. Euh, peut-être que ça pourrait être intéressant de le refaire. Luna s'habitue à ses sans surveillance. Oui, c'est maman qui s'habitue pas. Non, honnêtement, ça va vraiment bien. Euh... En ce moment, je trouve qu'il fait chaud, fait que je suis peut-être un peu plus ma poule envers mon chat. Fait que J'ai laissé un bol d'eau dehors, comme ça, si elle a besoin de boire de l'eau, elle va pouvoir revenir. Mais tu sais, elle est souvent dans les headsets ou dans mes plates-bandes à l'ombre, puis elle reste là. Puis oui, moi, j'ai peur, mais. Elle est tellement plus heureuse. Quand elle est en dedans, elle nous attaque plus parce qu'elle a commencé à nous attaquer beaucoup en jeu, mais à euh, nous courait après, puis elle nous sauter dessus. Mais depuis qu'elle est dehors, dès 40 ans dedans, elle cette fois, puis elle adore, adore, adore. Albus aussi aime plus ça parce qu'elle était un petit peu fatigante avec Albus parce qu'elle mangeait sa nourriture à lui. Fait que il mangeait full stressé. Elle est plus calme, plus détendue, elle a de l'air. Ben relax. Elle, a tripe. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Louise André. En passant. Je vais le dire parce que euh, c'est nouveau. Justement, je vais pouvoir vous le montrer. C'est nouveau sur la chaîne. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu apparaître sur YouTube YouTube, euh, YouTube oui, YouTube récemment. Pour celles qui font des dons en live, je suis extrêmement reconnaissante. Merci beaucoup d'encourager euh, le contenu que je partage avec vous. Veux, veux pas, YouTube est une grande partie de mon travail. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle je suis... Rémunérée, je le suis, mais en petite partie parce que YouTube prend quand même une bonne cote. Euh, C'est pas. Euh, je vous épargne les détails. Euh, mais pour celles qui me font des dons en live, je suis excessivement reconnaissante. Et maintenant, on peut les faire, même si on n'est pas en live, on peut euh, encourager les créateurs de contenu. Puis soyez à l'affût si vous avez d'autres créateurs de contenu que vous aimez, qui font des choses intéressantes sur YouTube et que vous appréciez ce qu'ils font. Vous pouvez également euh, donner de cette façon-là s'ils l'ont activé sur leur chaîne, bien évidemment. Euh, mais bref, je sais qu'il y avait certaines personnes qui disaient « Moi, je ne suis pas tout le temps là en live. Je trouve ça plat. Je peux pas te faire de dons quand je veux t'en faire. Euh, » Maintenant, il y a cette option-là. Je le dis. Je l'ai dit. Je le redis et je vais le redire. YouTube, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore la proximité que ça me fait avec vous. J'aime ça vous faire des vidéos. C'est vraiment quelque chose sur lequel je trippe. J'adore les lives. Les sprints de couture aussi. Je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment beaucoup aimer. Euh, votre générosité n'est que la cerise sur le Sunday, mais j'apprécie beaucoup euh, que vous aimez ce que je fais. Je trouve ça le fun et je suis surtout très contente que je vois que, euh, que ça vous aide. Merci beaucoup. Prochaine question? Prochaine et dernière question. Ah non, il y a une, euh, Roxane en a ajouté. Raymond, le mieux de demande, Je suis en train de coudre la. Kim Jarling de euh, Wave and Wild. Et je me demande comment je pourrais la faire à manche longue euh, pour que ce soit joli. Pour vous donner un aperçu. Le patron qu'elle est en train de faire, c'est. Il va apparaître à un moment donné. Je ici. C'est celui-ci. J'ai gardé cette image-là parce que je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve vraiment belle avec la. Avec la... Elle a une manche longue en dessous. Là. Mais c'est une manche euh, courte. Et là, je ne suis pas capable de retourner aux premières photos parce qu'il y en a trop. Je vais-tu être capable? On ne le voit pas très bien sur les photos, mais ce n'est pas une manche à part. C'est une manche à main. Il n'y a pas de tête de manche. C'est un petit dolman. Le dolman, qu'est-ce que c'est? C'est une amanchure. Il y a le bras levé? C'est une amanchure comme ça ici. Où est-ce qu'on n'a pas? De couture. La couture est plus basse si tu n'as manche un peu tombante. Donc, oui, tu pourrais le faire. Tu prévenir la coude. Ça va donner ce look-là. Euh, tu prévenir donc le coude. Idéalement, là, c'est ce que je comprends voir. Je pense qu'elle est faite en tissé. Tout dépendant. Ah, voilà. Je pense que je reviens au début. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est fait en tissé. Ça pourrait, être... Pardon. ça pourrait être intéressant à faire en extensible, tout dépendant le type de manche que tu veux faire. Si tu veux le faire aussi ajusté que ça, tu n'auras pas le choix de le faire en extensible. Ça se fait très bien euh, l'un ou l'autre. Euh, si jamais tu ne la fais pas trop ajuster. Ce qui va être important quand tu vas venir faire ton patronage, c'est de savoir c'est quoi l'ouverture de ta manche et de faire ta tête de, ta, ta, ta hauteur de manche en conséquence. C'est-à-dire que euh, tu vas venir calculer. Eh c'est beau. ton patron d'eau devant qui est sensiblement le même. Là, c'est un encolure, euh, excuse-moi, en V. Tellement beau. Euh, son une encolure en V que tu as au devant. Fait que tu viendrais calculer avec. Euh, moi, je le. Calcule-le sans tes valeurs de couture. Je préfère calculer mes choses sans valeur de couture et après ça les ajouter. Ça vient moins me. Je suis moins confuse. Fait que je vais venir calculer. Ma hauteur ici, ma, ma largeur dans le fond d'ouverture ici. Et après ça, je vais pouvoir venir créer mon patron à partir de ça, sans valeur de couture, comme je te disais. Fait que dans le fond, ta manche va ressembler à ça ici. Ce que tu as calculé au devant ici, puis ce que tu as calculé au dos là, Va se retrouver dans le haut, ton dos et ton devant. Je te conseille de faire ton cran d'épaule pour t'aider à, à assembler. Ça ne sera pas quelque chose de difficile à assembler étant donné que tu n'as pas de tête de manche, ça va être deux choses droites. Euh, mais ça va ressembler à ça ici. Puis tu sais, tu peux calculer ton tour de poignet dans le bas. Mais comme je te dis, si jamais tu le fais dans du tissé, c'est soit que ça va être beaucoup moins euh, en angle que ça, pour que tu puisses rentrer ta manche. Si jamais tu veux faire un extensible, tu vas pouvoir le faire sensiblement près de ton poignet. Sinon, il va faudrait que tu fasses une patte, de, euh, une patte de poignet comme une chemise pour venir l'ouvrir. Là, on rentre dans du patronage peut-être un petit peu plus complexe. Euh, J'ai envoyé une photo du patron. Euh, oui, 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 oui. Un T'avais-tu une question par rapport à ça? Parce que. Euh, Oups. Oui, non, je vais y aller par là. Nathalie, où est ça? Oui. Sur haute couture, hein, tu m'as dit? Euh... OK, je pense qu'il me l'a envoyé sur. Euh, attendez, attendez, excusez. Let's go, Tu es capable? Sur, euh, par courriel. Oui, Claire, j'ai vu votre question. Ça ne sera pas bibé, non? Je vais finir mes, mes, mes questions sur Facebook avant de commencer les questions dans les commentaires. C'est quoi? Je vais aller voir mon courriel. Ah, mais c'est tu... Euh... C'est euh, un pantalon de neige. C'est un... Parce qu'elle est en snow. Mais, oh, c'est moi qui fais ça. Okay. Euh, il me semble que ça, c'est un pantalon de neige. Je suis pas certaine. Mais il me semble que oui. Puis là, est-ce que vous aviez une question par rapport à ça? Je n'ai pas remarqué. Nathalie euh... Je pense que c'est un vieux patron. Je vais vous envoyer une photo sur la télécouture. Oui. J'ai un patron de joli pantalon ample mais doublé. Mais je ne suis pas capable de mettre la photo. C'est ça, vous aviez pas de question. S'il y en a une, allez-y, je vais euh, vous répondre. Ça, ça, ça. J'allais finir mes questions sur Facebook, puis après ça, je m'en viens passer au travers de celles qu'il y a sur la, la, les commentaires. J'aimerais savoir la façon la technique pour ajouter un zip sur le devant d'un col. Euh... Genre un polo. Pas un polo, excuse-moi, mais un euh... tout, dé... c est, c est tout dépendant. Euh, c'est quoi exactement le modèle que tu veux? Parce qu'il y en a qui ont euh, des cols qui montent plus haut, fait que le zip part dans le col. Il y en a un que le col va peut-être être à même et le zip va partir de là. Il y a plusieurs euh, différences qu'on peut avoir. Puis c'est une technique quand même plus poussée. Je la montre dans. Euh, euh, comment ça s'appelle? Les cours. L'abonnement. Je la montre dans l'abonnement. Euh, ça reste à voir exactement qu'est-ce que tu veux euh, faire comme genre de projet. Euh, mais ouais, c'est quand même. Euh... C'est quand même un peu plus particulier, euh, petit poussé comme technique, c'est pas quelque chose que je peux t'expliquer comme ça. Ça pourrait être une vidéo peut-être intéressant éventuellement, c'est vrai. Euh, tout dépendant de quel genre de modèle tu parlais aussi, parce qu'il peut y avoir euh, plusieurs choses à prendre en considération. Euh, petite question entre la taille de tableau de mensuration qui est souvent trop grand du dos et à manches ou prendre une taille plus petite et faire un FBA pour que mon DD, euh, oui. Euh, ok, as, je vais redire la question, mais euh, je pense que c'est le deuxième. Entre la taille du tableau de mensuration qui est souvent trop grande, dos à mancheur. Parce que oui, ça, on ne se cachera pas que c'est. Comment je pourrais dire? Il faut se connaître, il faut apprendre un peu euh, à connaître notre corps et ce qu'il y a réellement de besoin. Euh, parce que oui, en effet, ton taux de poitrine peut être un chiffre. Qui t'amène dans une place dans ton tableau de mensuration. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu tombes dans cette taille-là. Ça veut peut-être tout simplement dire que tu as une poitrine forte et que tu devrais. Fait que là, premièrement, tu as fait justement la, la réflexion de dire à chaque fois que je prends la taille qui correspond à mon tour de poitrine, c'est toujours trop grand dans les avanchures et au dos. Tu l'as ton signe, c'est parce que ce que tu as réellement besoin, c'est un FBA, c'est une euh, modification pour forte poitrine. Euh, fait que ce que je te suggère, c'est d'aller dans une taille en dessous et de faire ton FBA par la suite pour pouvoir avoir l'emplacement là où tu en as de besoin. Tu n'en as pas besoin dans le dos, tu en as juste besoin en avant. Fait que oui, c'est vraiment une belle réflexion que tu t'es fait Puis c'est exa exactement ça, c'est d'aller dans une taille plus petite et d'y aller avec ton tour, euh, avec ta poitrine en tant que telle. Ce qui pourrait t'aider, mais tu sais, là, je dis ça. Bon, bien, Audrey. Hey, ça, je parle depuis longtemps. Hein? Ça va revenir, ça va revenir. Il y Albus, il n'y a personne, comme d'habitude. Albus est là pour vous guider, euh, guider ma voix. Je pense qu'il faut absolument que je change ça et que je revienne. Là, parfait. Excusez-moi. Euh, tu pourrais prendre ton tour de sous-bus, un peu comme on fait quand on prend des... Euh, euh, quand on prend des mesures pour des brasseurs, Tu sais, tu pourrais prendre sous ta poitrine pour voir vous, tu pourrais juste comparer. Prends pas, tu prenez pas là pour savoir si vous êtes euh, c'est quoi la menstruation que vous devez prendre dans le tableau pour choisir la grandeur par rapport au tour de poitrine. Mais si mettons, tu vois, tu es comme OK finalement, oui, il y a quand même une méchante différence entre mon tour de poitrine et mon tour de sous-buste. Euh, tu peux, toi, peut-être lier un peu plus dans cette décision-là. Mais clairement, avec ce que tu me dis, oui, prends le temps plus petit et fais ton FBA. Euh, Claire. Je cherche un tissu extensible non glissant pour placer entre un casque d'apnée du sommeil et les cheveux. OK, 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 OK. Yeah. Mm. Extensible non glissant. En fait, il faudrait quasiment qu'il y ait de la grippe parce que peu importe le tissu extensible, je ne suis pas familière avec comment est fait le euh, masque d'apnée du sommeil. Mais je me dis, il faudrait qu'il y ait de la grippe un peu. Parce que peu importe, il va finir par glisser. Tu sais, le coton licra, c'est pas trop glissant, c'est pas trop. Ça serait une bonne pensée. Alex, t'es-tu encore là? Peut-être qu'il euh, y a quelque chose qui te vient. Puis il faut qu'il soit extensible. Il faut, faut théoriquement que ce ne soit pas trop épais, probablement pas, pas trop chaud non plus. Il hmm. faudrait que je regarde. Oui, ben, c'est ce que je pensais aussi. Mais euh, si tu achètes en patron PDF, ils ne se vendent plus sur le site. Si je veux me faire un pantalon de pluie imperméable, quel tissu j'utilise Ça va être du euh, tissu imperméable. Moi, honnêtement, ça, j'irai en magasin. Le plus possible parce qu'en ligne, tu vas avoir de la difficulté à trouver ça. Moi, personnellement, euh, c'est vraiment pas quelque chose que je vois souvent. Peut-être sur BlackBird Fabric, il va avoir des tissus un petit peu plus spécialisés comme ça, mais euh, sinon, j'irai en magasin. Surtout si tu vas avoir quelque chose de bonne qualité, puis tu vas être sûr de ce que tu achètes. Euh, 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 ma fille a des blessures sur les bras qui font qu'elle ne peut pas porter de chandail à manches courtes. J'ai pensé lui faire des manches amovibles avec un tissu léger. Euh, tu ferais comment? Euh... Là, on rentre dans quelque chose qui est quand même plus euh, particulier. Tout dépendant de comment tu veux faire les manches amovibles, est-ce que c'est... Est-ce euh... que c'est une manche... Est-ce qu'une fois que tu enlèves la manche, ça deviendrait une manche courte? Tu, sais, tu pourrais soit insérer un fermoir invisible, qui serait quand même relativement facile à faire. Faire. Une fois que tu l'enlèves, tu vois-tu vraiment beaucoup le fermoir en haut? Non, parce que les fermoirs invisibles, c'est pas détachable. Tu peux pas prendre ça. Euh... Des snaps? Peut-être. Ça va, ça va pas, pas faire beau. Parce que je sais qu'il y a des manches amovibles qui existent euh... comme au golf. Quand tu commences à jouer au golf le matin, puis c'est frais, puis tu veux juste comme enlever ta manche. Fait que c'est un chandail à manches courtes, puis c'est une manche qui vient se glisser en dessous, qui monte plus haut que. Ta manche courte. Euh, Puis y a un genre d'élastique en silicone pour que ça reste en place. Ça, ça pourrait être ça. Parce que qui est accroché après ton, euh, ta manche. Parce que ça va tout être des choses qui vont paraître. Ça dépend. Genre avec élastique. Ouais, dans le haut, tu pourrais avoir comme un élastique. Puis il y a des élastiques qui se vendent avec du silicone, ça fait que ça tient mieux sur la peau. Fait qu'il n'est pas obligé de le mettre super serré pour que ça tienne. Mais ça s'enlève super bien. Je n'avais pas de question. Ah euh, oui, ok, parfait. Je pensais que le, euh, le patron pouvait marcher pour le pantalon de skate. Ça pourrait marcher, mais il faut qu'elle le trouve. C'est ça qui est difficile. Merci beaucoup, Marie-Ève, c'est très gentil. Mais c'est ça. Des zips ou des faux. Parce que là, le zip, ça pourrait être des petits fermoirs détachables. Puis tu pourrais te faire une espèce de rebord pour ne pas voir ça. Un peu comme les pantalons de cargo. Les, les shorts, les pantalons shorts que tu peux dévisser. On va se calmer. Que tu peux dézipper. Oui, c'est ça avec un rabat qui cache la fermoire exactement. Je pense que ça va être tes deux options. Soit venir le mettre en dessous, quelque chose que tu glisses en dessous, puis que tu viens avec un élastique fixé. À la longue, ça peut être inconfortable. Ça dépendant qu que... Euh, si elle porte vraiment longtemps. Sinon, ça va être un fermoir qu'il faudrait qu'il soit caché par, oui, un rabat qui cache le raie. La fermeture. Puis tu prends, fer... prends une fermeture des taches à mais pas quelque chose de trop. Euh... Tu sais, genre pour des vestes d'enfant ou des choses comme ça. Parce que si tu le prends trop épais, on va le voir. Euh... C'est sûr et certain. Mm. Sinon, il se vend. Je l'ai-tu encore? Non, j'y ai tout, tout redonné. J'avais travaillé pour euh, j'avais travaillé, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Thérèse et Lionel, une merveilleuse compagnie avec une femme extraordinaire en tête d'entreprise euh, qui faisait des vêtements. Mais ben, qui fait des vêtements? Euh, pour personnes âgées, mais euh, à mobilité réduite. Donc, c'est des vêtements qu'il faut qu'ils s'enlèvent facilement euh, ou qu'ils puissent être mis sans trop déplacer la personne, sans que la personne doive être en mouvement pour pouvoir le mettre. Fait que souvent, ça se détachait aux épaules ou euh, le pantalon, c'est un pantalon qui s'enfilait plus facilement. Et aux épaules, elle mettait souvent. Euh, c'est des. Boutons, pression, mais sont tout petits puis sont, sont cousus sur un ruban. Là, je dis ça, c'est bien beau. Comment ça s'appelle et comment je pourrais trouver ça? Je vais essayer. Parce que ça, tu pourrais en mettre un dans le ourlet de ta manche courte et un dans le haut de ta manche longue, dans ce que tu viendrais ajouter. Puis tu vas juste voir des surpiqûres, tu verrais quasiment rien. Honnêtement, très, très rapide à faire, pas compliqué. Pas YouLine que je veux. J'étais fâché contre mon ordinateur. Pourquoi tu m'amènes ça? Euh, je, là, je regarde sur Cleaner Supply. Ah, oh, attends, oui! On revient, on revient. Snap. So, um... Non, non, ça que pas ça je veux. pas ça qu'on cherche. C'est genre ça, mais ceux qu'elle avait, c'était de la meilleure qualité. Je, je vais te le montrer. Là. Euh, je, 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 je vais trouver comment te montrer. Allez, on bon. C'est euh, un ruban, tout simplement comme ça. Puis là, comment je fais pour. OK, les photos. Fait que ça, tu sais, tu peux coudre un dans le haut. Tu sais, je, je courais euh, euh, la partie femelle pour pas que la tige de la partie mâle dérange. Mais en même temps, c'est tellement petit que je, ça dérangerait pas tant que ça, mais quand même, ça peut être à prendre en considération. Bon, là, c'est un 12, euh, 12 verges. Je pense pas que tu as besoin de 12 verges. Mais fait que tu peux coudre. Arrête de pointer ton écran, André. Tu pourrais coudre celle-là dans. À l'intérieur, dans le haut de ta manche, puis cela là à l'extérieur, sur le haut de ta manche longue, de l'extension que tu de ajouter. Moi, personnellement, je pense c'est ça que je ferais. Parce que c'est beaucoup plus facile à mettre. Si, mettons, elle est toute seule, à défaire, c'est facile. Le faire-moi aussi, c'est facile à défaire toute seule, mais à remettre pour être capable de venir. Tu sais, peut-être, ça va être inconfortable, mais ça, tu viens juste faire poup poup tu es capable à une main. Devenir le snappy ensemble. Là, ils vendent euh, 17 pouces, mais quand ils vendent le 17 pouces, est-ce que ça fait quand même le mâle et la femelle Je ne peux pas croire que oui. Je ne peux pas croire que non. Euh, mais je... moi, j'ai marqué Snap Tape, puis ça m'a sorti ça. Où est-ce qu'elle. Je sais que euh, la dame la magasinait beaucoup, beaucoup chez Cava, à Montréal. Est-ce que c'est là qu'elle l'a trouvé, peut-être? Est-ce que j'aime mieux les, 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 euh, les snaps? Ah, ça ressemblait à ça. Ah, puis il y a des grandeurs différentes. Ouh! Je suis si Moi, je suis en train de magasiner euh, pour l'in... C'est des petites en métal comme. Ben, ça, ressemblait, ça ressemblait à ça. Elles sont très faciles à snapper. Ils sont très faciles à désnapper. Puis là, de ça, qu'est-ce qui est cool? C'est qu'il y a différentes largeurs. Il y en a que le dessus. Ah, ben là. Ça peut être intéressant aussi. Je te laisse regarder ça. Tu as l'option du fermoir, l'option de tout ça ou l'option de la manche qui se glisse un peu comme une manche. Euh, moi, j'appelle ça une manche de golf. Au golf stand, on en vendait à l'époque. Quand je travaillais au Gotham. Tu avais une autre question. Autre question sans rapport avec l'autre, pas de problème. Je veux mettre un élastique dans un legging qui a une bande de taille large, genre 4 pouces. Tu veux mettre un élastique là-dedans? Euh... Théoriquement, ça va te prendre un élastique 4 pouces, parce que ça ne ça sera pas beau si tu mets deux élastiques 2 pouces puis que tu te crées une coulisse. Euh... Puis les élastiques 4 pouces sont vraiment plus épais. Fait que tu vas te rajouter de l'épaisseur à quelque part où est-ce que tu n'en veux peut-être pas. Euh... Ma question est pourquoi Pour avoir plus d'extensibilité, c'est peut-être peut un meilleur tissu que tu devrais utiliser à cette place-là genre du suplex, du active wear. Euh... Ça pourrait être intéressant. Parce que sinon, oui, tu pourrais prendre un élastique 4 pouces de large, mais ils sont vraiment plus denses. Ils sont vraiment plus larges. Euh, gros. Moi. Ouais. C'est ça. Exactement. Ah, oh, mais ça, il faut avoir le bon pied, ça c'est sûr. Il faut que tu prennes le pied à fermoir. Tu peux pas coudre ça avec un pied régulier. Mais avec le pied à fermoir, ça se fait très bien. Ouais. Hum. Hum. Qu'est-ce qui serait mieux? Moi, personnellement, dans mes leggings, ce que j'aime, euh, c'est d'ajouter du mobilon, un élastique clair. Dans ma, couture, dans ma couture, dans ma couture en haut de mon euh, pas Je n'ai pas rien pour m'aider à, à, à t'illustrer ça. Dans le haut, la couture, en haut complètement, où est-ce que tu vas assembler tes deux bandes de terre ensemble, je viens mettre un élastique clair dedans. Je viens mettre une petite tension dedans. Je n'en mets pas une grande tension, je ne viens pas tirer, je ne veux pas nécessairement froncer. Je viens mettre une tension dans mon élastique et je viens coudre cet élastique-là dans ma couture d'assemblage, dans le haut. Ce qui va faire en sorte que tu vas avoir un petit « pouf », juste une petite résistance, qu'on pourrait dire, dans euh, ta couture, pour que ça vienne s'appuyer à la bonne place. Sinon, tu peux venir mettre un élastique 4 pouces. Mais là, il va peut-être falloir que tu fasses une modification, parce qu'étant donné que c'est plus épais, peut-être que tu vas moins aimer ça. Et quel genre de tissu tu as en ce moment? Pour que ça tombe. Je te, moi, je vais te montrer mon préféré. Mon préféré. Honnêtement, tu pourrais prendre des, du tissu à maillot de bain pour faire des leggings. Ça peut être euh, très bien. Mais, habituellement, le tissu à maillot de bain, c'est cher. Ah, ils ont du nouveau tissu à maillot de bain au oh, Blackbird Fabric. Faut pas que j'en garde. Un petit cordon élastique qu'elle pourrait attacher, oui, c'est vrai. Je vais aller voir. Tu me dis, euh, c'est le. Voyons. Qu'est-ce pas décrit? André. French Terry J'avoue qu'un legging en French Terry, ça peut-être avoir de la misère. Euh, parce qu'habituellement, le French Terry c'est en coton. Le coton, ça n'a pas un, beau un bon taux de résilience. Fait que, oui, tu n'auras pas de soutien, tu n'auras pas de support. De support. Et André, de support. Okay, là, je vais juste essayer. Euh... J'aimerais ça voir le, 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 le legging, s'il vous plaît. Ah, je vais-tu le voir ici? Ah non, je vais le voir là. C'est juste un morceau. Ouh, ben... Attends, elle montre comment le faire, mais je ne veux pas l'entendre. Okay. Ah, elle fait peut-être 100 bandes de terre, par exemple. Un élastique à boutonnière, oui. Mais encore là, où est-ce que tu vas l'insérer? Elle montre comment le faire, mais honnêtement, on ne voit pas grand-chose. Ah, oh, c'est juste un morceau. Je viens de comprendre. Je suis désolée. Je viens de comprendre. C'est une bande qui est pliée en deux. OK, je vais te dire quelque chose. C'est une le haut. Un J'aimerais vraiment ça pour avoir les, 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 euh, le patron en tant que tel. Ben, je vais essayer de m'expliquer. Dis-moi si j'ai bien compris. La bande de taille qui est dans le haut, c'est un rectangle que tu plies en deux et que tu viens coudre. Excuse-moi. aurais dans le fond une grande pia... bande rectangulaire, tu viens coudre tes petits côtés pour te faire comme un rond, tu la plies en deux puis ça tu viens le coudre à ton legging. J'attends ta réponse. <laughs> Je vais te montrer. n'ont pas beaucoup de choix de couleurs en ce moment, par exemple. Qui qui est surpris? Moi, je suis pas surprise, c'est sûr. Moi, c'est les Active de Blackbird Fabric sont les meilleurs tissus à leggings que j'ai jamais portés. Puis là, je viens de voir. Le bleu est magnifique, le rose est magnifique et le vert est magnifique. Fait que j'ai envie d'acheter les trois, mais je ne le ferai pas. Parce que j'ai déjà trois leggings avec le tissu de Blackbird Fabric Audrey. Je pense j'en ai assez. Mais waouh Moi, c'est mes préférés. C'est une question d'opinion. Je, je n'aime vraiment pas les leggings qui sont faits dans du coton Je j'aime pas les leggings qui sont faits dans euh, tout ce qui est en fibre naturelle parce que je trouve que ça n'a pas un bon taux de résilience. Je l'ai fait dans le double brush polyester. J'ai aimé. Il y a un petit. Un, un sens, une sensation peut-être un peu plus détente pyjama, mais j'ai l'impression de rien porter avec ça. Ce qui peut être le vol dans même temps, quand je sors, je me sens un peu vulnérable. Euh, fait que je préfère avoir quelque chose qui a plus de soutien comme ça. Là, je vais dire quelque chose, OK. me ferais peut-être pas des amis. Une bande de legging ne devrait pas être assemblée comme ça. Une bande rectangulaire, où est-ce que c'est qui qui est rectangulaire à cette place-là? Il n'y a personne de rectangulaire à cette place-là. Euh, pour moi, ça ne devrait pas. Pour moi, ça ne devrait pas s'assembler comme ça. Je trouve que ça ne vient pas euh, quand on veut justement ajuster selon les maçons. de notre corps. Ça se peut que ça tombe bien, là. Je ne dis pas que ça ne fera pas à personne. Oui. Mais si tu veux faire des modifications, tu ne peux pas le faire à cause de la façon que le legging est conçu. Fait que si tu es quelqu'un qui a... Euh, des hanches beaucoup plus fortes que ta taille, tu ne peux pas faire des modifications. Quand, euh, comme là, en ce moment, on veut essayer de modifier quelque chose, on ne peut pas faire des modifications. Je trouve ça un petit peu dommage quand ça s'assemble comme ça. Ceci étant dit, ça pourrait se modifier. Ta bande, tu pourrais la couper en deux et t'ajouter, ta, ta bande de patron, tu pourrais la couper en deux et t'ajouter une valeur de couture dans le haut et couper cette pièce-là deux fois et venir assembler dans le haut. Pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Moi, personnellement, je préfère euh, les leggings qui sont faites comme ça. C'est une question de goût, je pense, en bout de ligne, mais je trouve que ça nous apporte un petit peu plus d'options et de polyvalence en termes de fit, surtout à cet endroit-là. Euh, euh, moi, je pense que c'est tout ce que je te proposerais. Il faut juste que je... Non, je pensais ça et que là, tu pourrais rajouter un élastique dans le haut, dans ta couture qui viendrait t'aider. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr qu'il tombe. C'est sûr qu'il tombe, surtout si tu l'as fait en, avec un tissu qui a des fibres naturelles dedans. Parce qu'à cette place-là, tu n'as aucun soutien. As aucun, aucun soutien. Parce que c'est une pliure de tissu qui vient te soutenir là où est-ce que ton pantalon doit reposer. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Euh, Excuse-moi. Il y a du monde probablement avec qui ça fonctionne, mais euh, moi, je sais que ça ne fonctionnerait pas. Puis, Manifestement, toi non plus, ça fonctionne pas. Moi, c'est sûr que je perdrais mon pantalon. Mon, mon pantalon, Je me sentirais encore plus vulnérable que, tu, non, que dans du double brush polyester. Euh, 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 autre suggestion, j'imagine un élastique qui ressort par une boutonnière sur le côté et qu'elle attacherait avec un bouton pression. Mais même l'élastique. Moi, personnellement, je n'ai jamais. Tu parlé tantôt. Voyons. Euh... J'ai jamais cousu ça non plus, Lynn. C'est peut-être le bon moment de faire une vidéo éventuellement sur comment poser ça, comment faire ça. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout à ajouter dans des pantalons pour enfants. Moi, ma fille, en ce moment, c'est euh, le plus grand défi de pantalon la longueur et la taille. est tellement faite sur un frame de chat qu'il faut que je prenne assez long parce qu'elle est très grande, mais c'est souvent trop grand à la taille. Ça serait le fun de trouver une façon de. Venir ajuster ça à la taille avec un élastique à boutonnière, c'est vrai que ça pourrait être vraiment intéressant. Personnellement, j'aimerais ça te conseiller, mais je ne sais pas comment on préfère. Euh, mais je vais faire des recherches. Euh, ton meilleur patron de legging, c'est quoi? C'est plat? Ben, c'est plat. Oui puis non. C'est le legging que je fais. C'est euh... un peu. tout, 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 tout. Du, du, du. Je n'ai pas testé beaucoup parce que celui-là me convient à 100%. Je vais te laisser le lien vers. Je me connecte, Je vais vous le montrer. Honnêtement, c'est sûr, c'est... Oups, pas là où je vais aller. Je prêche, je, prê... je prêche pour ma paroisse. Euh... Cours à la carte. C'est un cours que je fais de comment coudre de l'extensible. Moi, je vous le montre comment l'assembler à la machine à coudre régulière, mais ça se... Oups, continuez le cours, pas ça je vais faire. Je vais vous laisser le lien. On fait notre propre patron. Et honnêtement... Dans un monde où est-ce que le legging, c'est impossible de trouver un legging qui fait bien à tout le monde, on s'entend. Je trouve ça le fun de pouvoir le faire selon nos propres mensurations. Ce n'est pas un, un, un cours qui est très difficile. Ce n'est pas un, un patronage qui est très poussé. Whoop Audrey. Excusez-moi, j'arrête de parler. Euh, liste du matériel. Continuez. J'essaie de vous le montrer un petit peu. Un peut-tu? Oh, j'avais les cheveux courts. Ça, c'était beau. Je suis capable de vous le montrer en même temps. Ça va-tu comme full bugger? Euh, ce cours-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que oui, je vous parle, on fait le, le patronage ensemble, mais euh, je passe avec vous au travers de tous les tissus qui sont intéressants à faire, euh, à, à, à tous les tissus extensibles. On parle de tous les tissus extensibles. Euh, je vous parle des aiguilles, comment calculer l'extensibilité dans euh, un tissu. Ça fait longtemps que je l'ai fait, probablement que j'aurai de l'information à adapter. Je vous montre comment calculer le taux d'extensibilité aussi. On passe au travers quand même de beaucoup de choses. Les outils qui sont le fun à avoir quand on coûte dans l'extensibilité. Le projet, c'est le legging. Et là, j'aimerais peut-être être capable de vous montrer. Euh, bon. Euh, le legging, on a justement... Là, en ce moment, moi, j'ai juste mis une bande de taille. Euh, naturellement, elle est double pour avoir le maximum de soutien. Euh, moi, personnellement, j'aime ça avec une couture en avant. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, mais moi, un legging qui n'a pas de couture de fourche, explique-moi comment ça tient à longueur de journée. Je ne sais pas. Je préfère avec une couture au centre. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. C'est une question de goût, encore une fois. Mais euh, on a la bande de taille qui est ici. Puis éventuellement, celle à l'intérieur, je vais venir la coudre dans le haut. On le voit un peu sur le côté. Euh, elle vient se coudre ici. fait qu'elle a quand même une bonne largeur. Moi, j'aime ça qu'elle a une bonne largeur également. Euh, je n'avais pas de grandes modifications à faire, mais je vous montre aussi comment apporter les modifications, à quel stade d'assemblage euh, on fait l'essayage les, les, et les modifications, parce que si on coûte trop, un moment donné, il va falloir des coudes, mais si on ne va pas trop loin, on n'est pas trop pire pour, pour avoir à des coudes. naturels. après ça, je vous montre comment euh, euh, procéder à, aux modifications qu'on pourrait avoir. Le patronage, je pourrais vous le montrer aussi un peu vite, vite. Pas vous ennuyer avec ça. Je vous explique comment faire le patronage euh, du legging. On a des mesures à prendre naturellement. Toutes les mesures sont euh, expliquées comment les prendre au début. Je vous montre comment faire. Je pourrais même vous montrer vite, vite. Euh, la théorie. Non, c'est pas la théorie, c'est le projet. Formule. On a des petits calculs à faire. Où est-ce que je l'ai mis, les mensurations? Dans l'introduction, peut-être? Ben oui. Excusez. Fait que je vous montre aussi comment bien prendre des mensurations pour pouvoir faire. Ah ben là, je vous montre même. On n'a pas besoin du tour de poitrine pour faire le legging, mais je vous avais montré comment prendre les mensurations euh, au complet. Puis vous aviez seulement à prendre les mensurations que vous aviez besoin pour le projet euh, en tant que tel. Puis, je vous montre comment l'assembler euh, à la machine industrielle, industrielle, pas du tout, domestique. Fait que si jamais ça vous intéresse, moi honnêtement, c'est euh, le genre de bande de taille que je trouve confortable. Je ne porte pas d'autres leggings. Et je, ah ben là, j'ai tout fermé. Mais j'ai aussi un deuxième cours pour en faire un avec des découpes, comment ajouter une poche, comment ajouter avec euh, du mèche sur les côtés, si jamais c'est de la transparence que vous aimeriez avoir. Puis je, lui, je le couds avec la surjeteuse. C'est personnellement mon préféré. Puis, je pense que ça a été un, un cours quand même très, très, très apprécié. Voilà, voilà. J'ai fini avec les questions. Si jamais vous aviez posé une question que je n'ai pas vue, je m'en excuse. Il me semble que j'ai passé au travers de toutes. Euh, j'ai fini celle de la communauté. On va venir sur une note quand même très intéressante. En ce moment, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu. Je vais être capable de mener. As-tu commencé? Oui. En ce moment, sur les tissus, on a jusqu'à 50 de rabais. Là, attendez, je suis en anglais. On va les mettre ça en français. Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, L'événement confortable, euh, Toutes les tissus les plus confortables. On a le coton à thé, le French Cherry. Regardez, on va aller voir. Non, 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 non. On va aller voir. il y a beaucoup de tissus bon on a justement le rib le jersey euh, tissu pour coton maté puis je sais pas si vous avez vu mais notre amie Karine notre merveilleuse Karine a fait brise d'automne avez-vous vu non mais premièrement hé, hey, tu pas belle notre hein? belle Karine c'est brise d'automne à quel point c'est beau en coton maté elle a pris une taille plus grande puis elle a fait le brise je le trouve sensationnel elle a même rajouté truc de cuirette. Je trouve ça merveilleux. C'est le coton à thé qu'elle s'est procuré au tissu. Il y a en ce moment un gros rabais sur les euh, toutes, toutes tout les tissus euh, confortables dans la boutique. En ce moment, des euh, tissés, comme vous avez vu, on a jusqu'à 50% de rabais. Je trouve ça super intéressant, ça vaut la peine et c'est des tissus qui se jumellent excessivement bien. Avec notre euh, soir d'automne et brise d'automne. Si jamais ça vous tente d'aller faire un petit tour sur le site internet, je trouvais ça super intéressant. Euh, Puis honnêtement, jumeler brise d'automne avec le coton maté euh, des Tissés, c'est merveilleux. Puis Karine a dit honnêtement, je n'ai jamais porté un coton maté aussi doux et aussi confortable. Puis avec sa brise d'automne, elle est tellement belle. Tellement belle. J'ai envie de m'en faire un autre. J'ai encore envie de me faire un autre brise d'automne. Je serais rendue à, rendu à mon troisième projet brise d'automne. Un jour, un jour je vais m'en faire un autre. Si jamais ça vous intéresse, ils me l'ont dit jusqu'à quand? Attendez, je vais aller voir la promotion et jusqu'à quand? Ça vaut la peine. Euh... Non, ça c'est des problèmes de livraison, t'as pas ça. Non, c'est pas ça. OK, du 12 au 23 mai. Je le lis. Ça finit donc le 23 mai. Si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour sur le site internet des tissés pour pouvoir aller profiter du 50 de rabais du jusqu'à 50 de rabais, sur tous les tissus euh, qu'on faut, je vous invite à le faire. Et si jamais vous n'aviez pas encore brise et soir d'automne, euh, c'est des patrons qui se jumellent excessivement bien avec le, les patrons, les, pardon, les tissus des tissés. Et comme vous le savez, on est maintenant avec. Euh, on a racheté... Quatre tailles dans euh, le brise et le soir. Si jamais vous ne le saviez pas encore. Je pense qu'on a tourné, on a, on a tout fait 1h23. Ah, oh, mais ben, vous voyez, même la caméra est en train de dire Audrey, il va falloir qu'elle arrêtes Oh! Bon. On ferme? On allume, on attend. On y va. Ma caméra veut juste plus. Je pense que c'est un signe. Je pense que c'est le signe que j'arrête de faire un live. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous écrire, que ce soit sur euh, la petite armoire en privé, on va pouvoir vous répondre. Euh, on va se revoir. Ben, vous allez avoir un vidéo dimanche. On ne va pas nécessairement se revoir, mais vous allez avoir un vidéo dimanche sur la chaîne. Si je ne me trompe pas, c'est euh, quand je teste les Infusible Ink, euh, donc l'encre infusible avec ma Cricut et le Jackson Tea que j'avais fait. Si jamais ça vous intéresse, ça va être en ligne le dimanche en fin de semaine à 10h. Et nous, ben, on va se revoir vendredi prochain pour un autre live et d'autres trucs de couture. Je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine avec le beau soleil. Profitez-en, mettez de la crème solaire, buvez de l'eau. Ça un petit peu à l'ombre aussi. Moi, je pense que je vais le lire sur la terrasse ce soir. Sur cette monde, je vous dis bonne couture et on se revoit vendredi prochain, même heure, même poste.